c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22 en carrière. Donc je vous fais un commentaire de loin aujourd'hui parce que j'avais un problème de micro sur cette vidéo et j'ai préféré vous faire ça de loin, j'ai envie de dire, et vous laisser avec un best-of des matchs. Donc c'est le 11e épisode et on va s'attaquer pour ce premier match à Brême. Donc ils sont premiers, me semble. On regarde ça au classement, mais ouais, je crois qu'ils sont premiers ou second. Ça va être compliqué, mais il faudra y aller. Il va falloir gagner. Donc voilà, les compos d'équipe, les gars, on est parti pour ce premier match. On se retrouve à la fin. Le coup d'envoi. Il prend sa chance. You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push. Voilà, donc pour l'instant, mi-temps, les gars, on se neutralise. J'ai fait 2-3 tirs qui ont été arrêtés par le gardien. Pareil pour le nôtre, on repart pour cette seconde période, mais on part bien. You back, but that's all you want. Wanna rub me up. I'm holding back, trying to get me framed. Throw me in cuffs. Said I attacked you. That's just the false truth. No need to argue. And yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Et voilà les gars, du coup, fin du match, malheureusement, il s'impose en fin de match 1-0. Et regardez, niveau stats, on s'est fait largement dominer, ils avaient la possession. On a une petite occasion de revenir à la 75e en marquant le premier but, mais malheureusement, contre-attaque et c'est eux qui ont marqué. On s'attaque à ce deuxième match face à Sandhausen, du coup, les gars, c'est pas grave, mais ça va être très compliqué, du coup, d'obtenir la troisième place. C'est même impossible, donc maintenant, on joue juste. Les caméras qui sont bien sûr déjà on est parti pour ce second leader du classement des buteurs. Et bien sûr, on va essayer de gagner, même s'ils sont 14e. On va essayer de tout donner, même si le championnat c'est fini. Voilà les gars, fin de la première période, on gagne 1-0 et franchement, ça m'a énervé à ce moment-là parce qu'on joue vraiment tellement mieux qu'au premier match et on va avoir beaucoup de regrets en fin de saison, malheureusement, parce que là, quand on voit ce qu'on propose, c'est beaucoup mieux. J'ai fait une petite passe D pour ma part et ça se passe plutôt bien en général hein, dans ce match. Jusque-là en tout cas les gars, je vous laisse avec la seconde période les gars, on repart direct.
match, franchement, ça s'est assez bien passé. On a tenu le score et on aurait largement pu en mettre d'autres. J'ai failli avoir la balle du 2-0, mais j'ai touché la barre. J'ai également failli faire une passe décisive, malheureusement, malgré une très belle frappe. Mon coéquipier l'a raté, je sais plus qui c'était, il me semble que c'était Butler. Et après, on a failli encaisser sur une grosse frappe en fin de match, vous avez vu. En tout cas, au classement, voilà, on se retrouve 7ème. 7ème, du coup, avec 47 points. Juste derrière Hambourg, à un seul point, mais bon. On va voir un petit peu pour le dernier match. En tout cas, les gars, le podium, malheureusement, c'est mort. Mais on va essayer de gagner ce dernier match face à Saint-Pauli pour essayer de finir en beauté la vidéo, j'ai envie de dire. On est parti pour ce dernier match et j'espère qu'on va le faire. Enfin, moi, je le sais, vous le savez toujours pas. Salut, est-ce qu'on va gagner, les gars? Je vous laisse avec le match. Occasions et pourtant elles étaient franches. J'ai touché la barre en extérieur, j'ai remis un caviar, mais malheureusement mon coéquipier l'a raté. On part pour la deuxième période. Avec une deuxième période catastrophique, on n'a rien fait, on a juste encaissé des actions. On a concédé un penalty, heureusement pour nous il a raté, parce que sinon c'était l'humiliation totale. Mais 2-0 face à Saint-Pauli, et là c'est sûr, le podium, les gars, il est très très loin. On vient de se trouer avec ce match, j'ai envie de dire. C'était entre guillemets peut-être notre dernière chance si on aurait gagné tous les autres matchs. Enfin, il en reste qu'un de toute façon, c'est Nuremberg, donc à mon avis, ça aurait été mort. Le match face à Nuremberg, on le disputera dans la prochaine vidéo, du coup. En tout cas, les gars, ouais, c'était compliqué, cet épisode. Franchement, en live, je pétais des câbles. Là, ça va, je vous le fais en différé, j'ai envie de dire. Le commentary, mais franchement, ça s'était très mal passé. En tout cas, merci à vous quand même de regarder, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine.